Pour Noël, avec Osman Rider, nous faisons gagner aux membres de la chaîne et aux assurés Bumper ce traceur GPS Flashbird d'une valeur de 299 €, un équipement de sécurité qui vous permet d'être alerté en cas de mouvement suspect sur votre véhicule, également de retrouver dans l'application tout votre historique de sortie et balade à moto. Pour tenter votre chance, rien de plus simple, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers le formulaire de participation. Bonne chance à tous et bonne vidéo. Alors les gars, c'est pas beau ça? Enfin, je vous fais gagner un joli cadeau sur ma chaîne. Donc vous avez l'opportunité de gagner un Flashbird, un traceur Flashbird. Ah non, mais non, faut le dire avec l'accent anglais. Flashbird. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. D'une valeur donc de 299 €. Et nous ouvrons ce jeu grâce à mon sponsor, on va dire, sponsor qui s'appelle Bumper Assurance. Et donc ce jeu est ouvert aux membres de ma chaîne et bien entendu à ceux qui sont chez Bumper Assurance. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer. On saura qui a gagné le 20 décembre. C'est là que vous avez 10 jours pour jouer. Et en plus comme ça, vous aurez sûrement la chance de l'avoir au pied du sapin. Putain. Donc voilà, bonne chance à tous, sachant que bon, il n'y a pas beaucoup de membres encore sur ma chaîne. Pour devenir membre, c'est un petit tarif de 0,99 centimes. Si ça vous permet de gagner un traceur à 299 €, je pense que c'est plutôt rentable. Et puis bah, vous savez, ça m'aide aussi un petit peu à développer ma chaîne, ça me motive aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à devenir membre, ça fait toujours plaisir. Qu'à 0,99 centimes, c'est même pas une baguette par mois. Ça va, c'est correct. Bonne chance à tous les gars. Mais tu prends un joli petit sens interdit là, mon loulou. Ah non, tu fais demi-tour, pardon. Autant pour moi, je suis mauvaise langue. Mauvaise langue, semaine, mauvaise langue. Ouais, c'était pas terrible ce qu'il a fait le gars. Pas terrible, terrible. Un vélo sur un sas à vélo. C'est la magie de Noël. Waouh. C'est magnifique. Oh là là, mais il y a même une trottinette. Alors là, oui, non, c'est pas la magie de Noël. Là, je suis sur un monde parallèle. C'est cool. Allez, au téléphone, on brille le rouge. On est dans la normalité des trottinettes à Paname. Ouais, il est gentil. Attention, c'est rouge, chérie, c'est rouge. D'accord. Ok, je viens de griller ma femme en train de brûler un putain de feu rouge. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de panneau M12. Bon, il va falloir que j'ai une discussion en rentrant. Bah quoi, c'est rouge mec! Ouvre pas ta gueule, sans déconner. Waouh, oh, je sais pas si ça se verra dans la caméra, mais ah, la Mini elle a fait un sale truc à la Mercedes. Vraiment c'est du sale quoi, elle a fait du sale. Ouais mais il est au téléphone. Ça m'étonne pas. Putain. C'est du méga sale là. Punaise de moine. Et oh, il est bien équipé en Super Soco lui. C'est bien ça. Oula. Hop 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 hop. Ah, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de policiers là qui font un peu la circulation. Bon lui ça l'empêche pas de brûler le feu rouge devant les flics mais... C'est une bonne idée qu'ils remettent un peu des flics pour faire la circu parce que les gens brûlent tellement les feux rouges. Ah bah ça doit pas être très confortable ça à Paname. Hein. Ça doit être marrant à faire, mais alors vu le bitume qu'on a, les pavés et tout, le rétro-tour, ça va trop tourner le... ça va trop tourner l'estomac quoi. Une MT qui est chicanée, ça se fait rare de nos jours. Bravo, félicitations. Ah, ça va. Non mais c'est bien là comme ça honnêtement, ouais. ça le fait, ouais, c'est top. Ouais, 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 très bien. Bon choix, salut. Ouais, ça fait du bon son, alors ça franchement, j'approuve.
Il est gentil la police. Merci. Allez, c'est parti pour l'interfifil. Ouh, oh punaise, lui, il m'avait pas vu. Bon, bah c'est cool, regardez-moi, tous les gens là, ils ont tous leur dire merci, quoi. Franchement, ils sont tous décalés sur la voie de gauche. Vous voyez, les Parisiens, ils savent. Je laisse mon doigt là comme ça, je leur fais merci les gars, je vous aime, vous êtes adorables. Bon, il y en a là à droite, ils sont moins. Bon, voilà, et bon, c'est pas grave. C'est gentil. À Paris, en fait, j'ai remarqué quand tu mets ton clignotant à l'avance, ce que tu es censé faire, hein, ben personne te laisse passer en fait. Ils font tout pour que tu puisses pas passer. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens en fait qui le mettent au dernier moment. Parce que si tu le mets trop tôt, il n'y a pas un rat pour te dire ah, pour le laisser passer. Le civisme, vous savez, c'est un peu compliqué à Paris. Là, il l'a fait exprès. Ouais. Là, il l'a fait exprès, le gars, d'avancer pour pas pouvoir me laisser passer, pour pas qu'il puisse m'insérer. Bon, c'est comme ça, hein, je vais pas en faire des caisses, mais ça vous donne une idée un peu de la mentalité. Oh, il a mis son clignotant au dernier moment, le gars. J'ai failli me le prendre là. Oh là là. C'est cool, mais merci. Ah, il est gentil. Vous l'avez vu, hein, il m'a regardé dans le rétro, il s'est décalé. On laissait passer. Adorable. N'oubliez pas, lâchez votre petit like, s'il vous plaît. Et quand je vous le demande pas, vous le faites pas, bande de bâtards. Non, je déconne. Je suis un salaud. Ouais, les grosses valises là. Ah, mais le gars il gère. Hein. Ah, ouais, il l'a bien dans le nez quand même, respect, gars. Putain. Moi j'aurais pas osé là, tu vois. Ah, qu'est-ce que c'est beau ça, ces petites baraques là. Je me demande à quoi elle servait, hein, cette maison. Ah, celle-là aussi elle est jolie. Bah non, tu passes au rouge, t'anticipes pas, bah tu te démerdes. Vous me connaissez maintenant, aucun scrupule pour ces mecs là. Oula, pourquoi il s'arrête là? Attends, ouais, voilà. Faire super gaffe à ça. Oh, il est adorable. Oui, c'est un mot que je dis souvent, adorable. Il faudrait que j'en trouve un autre. Ah, ces bandes là, ah là là, comment ça glisse les gars, faites super gaffe à ça. Hein. Alors, en plus, quand elles sont mouillées, c'est une patinoire, hein, je vous le dis. Celles qui sont à moitié effacées là, oh là 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 là, c'est tellement dangereux. Alors, voyons voir, aujourd'hui, ils organisent à Carole du Wheeling Station. Tout le monde avec ses super motards là, hop, super motes. Ah, moi je suis fan, hein. Putain, les gars, ils gèrent. Je trouve ça cool d'ailleurs que Carole organise des sessions comme ça. Sur piste, parce qu'au moins ils emmerdent personne, hein. Ils risquent pas de rentrer dans quelqu'un qui n'a rien à voir là-dedans. Oh, il est chaud lui. Et voilà mon petit Antoine. Alors quand j'ai rencontré Antoine, c'était un abonné qui n'avait pas encore son permis. Et le gars, il bossait, mais comme un turc en mode livraison Uber pour se payer sa meule. Donc gros fat respect. Et il vient enfin de s'acheter sa moto. Et donc je vais faire un petit tour avec lui, on va aller boire un petit café quelque part dans Boulogne. Et puis je vous la montrerai quand on sera arrivé. Voilà. Allez, petit test. Ouais. J'ai l'impression d'avoir un bébé là, un truc en comparaison. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Allez, je reviens. Ok. Bon, c'est sûr que ça fait pas le même bruit qu'un moto. Mais...
Ah ouais, c'est un vélo. Ah, ça freine un peu moins bien que ma moto par contre, au niveau du frein avant. Ah, par contre, le frein arrière, il est ouf. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais, ok, d'accord. On retrouve bien la note très facilement. Ah si, ça pousse, hein, pour une A2. Ça, c'est une A2, les gars. Je teste la Trident, donc A2. C'est un vélo. Ok, d'accord. Bah, Triomphe, vous avez fait une meule parfaite pour la ville, là. Hein. Avec un peu de patate, là, on peut s'amuser sans trop prendre de risques. C'est pas mal du tout. Ah, j'aime bien le Komodo aussi. Oh, bien accessible. J'ai vraiment l'impression que c'est sur une petite moto, tu sais, genre. C'est trop bizarre. Ah, on voit bien, là, par contre. Je suis trop beau, quoi. Je suis trop, voilà. J'aurais dû remettre les rétroviseurs avant de monter sur la moto. N'oubliez pas ça, parce que c'est quand même important. Ah ouais, non, mais si, ça avance bien. Ah, je suis agréablement surpris. Là, je m'attendais pas à ça, là, pour le coup. On a l'impression qu'elle est légère, je crois qu'elle fait 180 kg, un truc comme ça quand même, hein. Ça paraît pas. Puis elle est jolie, quoi, c'est une petite meule, honnêtement. Je pense vraiment que c'est un très bon compromis quand si vous roulez en ville et que vous avez envie de faire quelques petites balades et que vous avez besoin de faire beaucoup d'interfiles, elle est ultra fine, alors forcément ça vous perdez un petit peu, là c'est un peu plus large. Moi je les aurais pas mis rien que à cause de ça parce que j'aime bien passer entre les véhicules. Mais sinon elle est top, quoi. Ouais, je comprends les gens qui achètent cette petite Triomphe. Je les comprends. Ah non, si, ça avance bien. On va y aller doucement. C'est un peu limité à 50 ici, donc on va arrêter de faire la merde.